Là, il faudrait allumer tout le système. Il faudrait allumer. Il faudrait. Waouh! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur la map Logical Element créée par Sébastien Sa. Alors, c'est une map puzzle. On est en train de tourner en 1.9.2. Et le but du jeu, ça sera d'allumer des lampes, et oui, juste des lampes, via des leviers. Il y a 30 niveaux, et je pense qu'on va se prendre vraiment la tête, parce que je sens que ça va être une map un petit peu vicieuse. Donc hop, voici la map. Un décor assez sympathique, on peut voir, avec de la redstone, des répéteurs, des lampes, encore de la redstone. Donc voilà, donc on va commencer, hein. On fait le tour pour l'instant, on fait le tour. Le sitting... Ok, on est en mode aventure, ok, ouais. L'intro, donc bah voilà, hein, de la redstone map créée par Sébastien Sa, comme je vous ai dit. Alors c'est quoi? Ok, Eternal Day, je pense qu'on met sur on. No rain, il était sur off, on va le laisser. Donc voici la première map. La première map, les amis, c'est parti. J'ai même premier level. Ah, comment? Ok, level 1. Donc, level 1, ok. On a clique ici. Donc, red bloc, c'est le bouton. Green, vert, le bloc de lumière. Ah oui, j'avais pas vu. Donc, le bouton est là-bas. Ok, on y va. Bouton. Ok, ouh, light one. Ok, bah je pense que c'est fini. Donc, next level. Ok, level 2. Ok, on voit, ok, donc pareil, on retourne là-bas. Pourpre, no gate, bloc n'est pas de porte. Ok, c'est juste un système de ralentissement. Light 1. Donc on a fini le level 2. Et on va passer au level 3. Et oui les amis, level 3. Ah, y a plus. C'est pas grave, on continue quand même. On voit, ok. Alors, ça va s'allumer. Donc hop, on allume là, on éteint. Ici, on éteint aussi, on allume. Et logiquement... Et voilà, light one. Donc, level 4. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. Ça se passe assez bien. C'est pas trop compliqué. Donc, tout va bien. Donc, oui, je vois le système. Ils sont à l'envers. Ouais, ils sont à l'envers. Et voilà. Light one. On. Bah, hop, on se retrouve sur le level 5. Donc en 3 minutes, 5 levels, c'est bon. C'est bien, c'est pas mal, c'est bien, c'est cool. Hop, hop, ça allume le tout. On allume là. Ah, il faut allumer là-bas aussi. Merde. Merde. Comment allons-nous faire si j'éteins là? Ça allume les deux. Ok. Light on. Allez. Level 6. Donc level 6, ok, il y en a un qui est déjà allumé, celui-là il est éteint, on est ok, là si j'allume il se passe quoi? Il se passe rien, là si j'éteins il se passe quoi? Et bah ça s'allume, et voilà les amis, on se retrouve au prochain level, level 7. Ok, on voit, je vois, ouh, ça se complexifie là. Ça se complexifie, j'allume là, ça va allumer, ça éteint la torche. Si j'allume là, ça éteint la torche. On a un feu de stone. Ici, on allume et ça s'allume. Toujours bon à savoir. Donc on se retrouve pour le level 8 tout de suite. Alors, level 8, toujours 3, on est ok, là c'est allumé, tout s'allume. Il faut essayer de comprendre quand même les systèmes. Donc là, si j'éteins là, et là... On allume là-bas, ok, là. Si j'éteins ici, eh ben ça s'allume. C'est ce que l'on veut. Allez, level 9. Oula, c'est grand, c'est très grand. C'est très très grand. Donc on veut que ça soit
allumer. On veut éteindre. En fait, on veut éteindre le flux qui est ici pour allumer ici. Alors, on éteint. Donc là, c'est allumé, c'est allumé, c'est allumé. Alors, déjà, on va éteindre ici. Ça, c'est facile. Il suffit juste de faire ça. Hop là, c'est éteint. Maintenant, ici. Ici, ici, ici. Il suffit juste, logiquement. Et voilà, on a éteint la lumière qui est allumée ici. Et bah, pour l'instant, ça va. C'est pas trop, trop, trop dur. Il n'y a pas trop à se creuser la tête. Juste un peu de compréhension de Redstone. Et c'est pas dérangeant. Pour l'instant, c'est pas très dérangeant. Donc, il faut allumer toujours notre bonne petite lampe ici. Donc, il faudrait que cette torche s'allume. Donc, il faudrait que ici ça s'allume. Il faudrait. Ouh. Ok. Si j'allume là, ça va. Ça va rien du tout. Si ça allume là, on allume là. Donc, on éteint là. Il faudrait éteindre aussi ici. Il faudrait éteindre cette torche là pour que ici ça s'allume. Je sais rien. Je vais allumer là. Hop. Ah bah si. Ça servait à quelque chose. Hop. Là, on est allumé. Là, on est allumé. Et là. Et là, on est toujours. Poké. Kéké. J'éteins là. Et ben voilà, je me disais en fait qu'il fallait l'allumer puis l'éteindre pour créer une impulsion. Donc les amis, c'est parti. Level Heaven. Il est là? Il va faire le level 10? Hein? Il y a pas... Je suis marteau? Bon, c'est pas grave. Dites-moi hein, si je suis marteau, parce que là je me souviens pas de ce que je fais. Donc là, on éteint. Hop. Là, on éteint. Ça va éteindre. Non, on éteint. Tu te payes ma tête là? Voilà. Ok, là on allume, là on éteint. Là c'est éteint. Donc ici c'est allumé, c'est allumé. Là on a une inversion. Hop, on allume, ça éteint et ça allume. Et voilà, le level est fini. Allez, level 12. Alors, hop, on continue. Donc là-bas, c'est allumé, c'est parfait. Si on... Ouh, oui, le piège, parce que je sens bien que si on allume là, ça va éteindre ça, et on sera comme des cons. Donc, réfléchissons. On doit. Ça, c'est une bonne leçon de Redstone, les amis. Ça permet de faire triturer les ménages. Je comprends pourquoi il l'a mis en puzzle map. Je comprends pourquoi. Donc, et en plus il pleut. Merci bien. Merci bien, c'était pas prévu la pluie. Ok, si je ramène là. Hop. Hop. Et voilà. C'est tout bon pour moi. Bonus room. Oh, j'avais oublié, c'est vrai qu'il y a un level bonus. Une fois que les 30 levels sont finis, il y a un petit bonus. Donc les amis, si vous voulez du bonus, on en aura. Alors, hop, on réfléchit, on retourne là-bas. Donc allumé, il faut que ça soit éteint. Éteint, il faut que ça soit allumé pour s'éteindre. Là, il faut que ça soit éteint. Si je dis pas de bêtises. Oui, il faut que ça soit éteint. Et là, éteint, éteint. Là, éteint. Là. Il faut allumer pour éteindre. Il faut allumer pour éteindre. Je viens de dire, ah non, je suis bête, il faut pas allumer pour éteindre. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Voilà, là on a éteint. Donc là ça s'allume. Là c'est pas censé s'allumer. Bah, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise là? Le flux rentre ici et ça doit continuer. Mais comme il faut inverser le signal, en avançant le signal ici. Faudrait déjà allumer là. J'étais bon. Et voilà. J'étais bon. Je sais pas pourquoi je l'ai éteint. Donc voilà, on se retrouve au pro. Et il pleut de plus en plus. En plus, 14 level. 14 les amis. Alors on commence. Allez, c'est reparti. Donc c'est éteint. Il faut l'allumer. Pour l'allumer, il faudrait éteindre tout cela.
Donc là, ça doit s'éteindre. Là, ça doit s'éteindre aussi. Je sens bien les choses à répétition. Là, on est éteint. Ok. Ici, on va allumer. Et voilà. Donc les amis, je pense que pour l'instant, tout va très bien. Tout va très 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 bien. Hop. Prochain niveau. Niveau. Donc, alors, comprenons-nous qu'ici, c'est éteint. Donc, il faudrait allumer la torche qui est là. Il faudrait donc éteindre toute la redstone qui est ici. Ici, donc, pas de flux, c'est très bien. Un flux de redstone, pas de flux. Ok. Donc, là, c'est allumé. Là, c'est allumé. Là, c'est éteint. Donc, il faudrait éteindre. Donc, allumer là et allumer ici. Donc, ici. Et, j'ai dit quoi ? Et celui-ci qui est ici. Et voilà, logiquement, c'est bon. Bah franchement les amis, moi j'aime bien cette map. J'aime bien parce qu'il faut réfléchir un peu. Il faut comprendre un peu de la redstone. C'est pas non plus très très difficile. Je pense, pour l'instant, hein, pour ma part pour l'instant, c'est pas très difficile. Donc moi j'aime bien, j'apprécie ce type de map. Il faut réfléchir un peu. Donc là il faut allumer, il faut éteindre et allumer. Donc... Si j'éteins ici, il faut allumer ici. Et pour allumer ici, il faut éteindre ici. Pour éteindre, il faut allumer là. Il faut allumer déjà les deux. Hop. Bon, peut-être même, non, il faut vraiment les deux. Et voilà. Donc là, pour l'instant, on est allumé, donc on l'a éteint. Et là, ça va être ici. Il faut éteindre la torche qui est là. On va juste essayer ça. Et il y a eu un piège. Donc, on avait dit que pour... Je suis très très bête. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut éteindre cette torche. Donc, pour éteindre cette torche, il faut allumer ici, il faut allumer là, il faut éteindre celle-ci. Et voilà ! Hein, j'étais très très bête sur ce coup-là. C'est... Il y a des petites vagues, genre des petits fails. Allez, je t'ai fail, t'es mort, c'est fini pour toi. Donc alors, on recommence. Donc toujours éteint. Il faut allumer la torche qui est ici. Donc il faudrait éteindre. Est-ce qu'il y a dedans ? Il n'y a pas de redstone à l'arrière. Il faudrait éteindre les trois systèmes de redstone. Alors, je le sens bien le piège du relancement du flux. Mais on va commencer par là-bas. Hein. Hop. Donc là c'est allumé, il faut éteindre. Hop, là c'est éteint. Là c'est éteint, logiquement ça va s'éteindre. On est ok, maintenant il faudrait éteindre ici. Donc pour éteindre ici, la redstone est là, il faut le petit piège qui est ici. Donc là il faudrait éteindre cette torche. Il faudrait allumer cette torche. Il faut couper ici. Ouh là là. Ok, on a éteint, là ça c'est, je crois que je me suis encore planté, pourquoi, oui c'est vrai, ça refait un retour de flux, ici, donc on a dit qu'il fallait éteindre ici, Donc, il faudrait éteindre cette torche-là. Donc, il faudrait basculer de la tension ici. Voilà. Et voilà, les amis. On a fini ce level un peu plus compliqué. Il fallait vraiment un peu plus réfléchir et chercher. Donc là, pour l'instant, on est au level 18. On a un peu plus de la moitié. Donc, il y en a déjà une qui est allumée. Donc, on va pas s'en occuper. Même, je pense qu'il va falloir quand même s'en occuper. Donc là, c'est... éteint, il faut l'allumer, là c'est allumé, il faut l'éteindre, et oui, toujours une inversion, je sens, voilà, là je sens le piège là qui arrive, hop, donc déjà, allumons celui-ci, donc faut allumer là, ok, et comme prévisiblement, si c'est éteint, donc comme on a éteint là, il faut juste rebalancer peut-être un petit flux de redstone ici. Et voilà, on a réussi à allumer les torches. Donc voilà, level 19. On avance bien. On avance très très bien même. Donc il faudrait éteindre ici. Il faut le couper. Donc on l'alimente. Ici on le coupe.
ici. Hop. C'était pas celui-là. C'était l'autre. Pardon. C'était celui-là. Donc là, ok, là ça s'éteint. On est d'accord. Ici. Hop. Ça va activer l'autre côté. Là, hop. Ok, là on l'a éteint. Donc ça a activé, j'avais dit, de l'autre côté ici. Et il faut qu'ici. Hop. Et voilà. C'était une petite feinte de la map. Allez les amis. Hop là. Level 20. On est bien parti. Donc là, hop. Ici, c'est allumé. Il va falloir éteindre. Et là, attention, il y a 3 torches. Alors, il faudrait éteindre les 3 torches. Donc, on va commencer par celle-ci. Tant que le flux rentre, ça désactive le système. Hop. J'ai dit qu'il fallait éteindre celle-ci. Pourquoi? Ah oui, je suis bête. Si, c'était bon. C'était bon, je sais pas pourquoi j'ai... Voilà, la torche elle est éteinte. On est d'accord. Donc, on va partir plutôt sur celui-ci maintenant. Et il n'arrête pas de pleuvoir. Oh, je vois une commande bloc. On n'arrête pas de pleuvoir et ça c'est chiant. Donc, il faut qu'on allume cette torche. Pour allumer cette torche, il faut éteindre celle-ci. Pour éteindre celle-ci, faut allumer celle-ci. Pour allumer celle-ci, faut éteindre celle-ci. Voilà, deuxième torche éteinte. Et il nous reste la dernière, c'est celle-ci. Donc là, il faudrait allumer tout bêtement le levier et logiquement que la lumière soit. Et oui. Donc tout est bon pour l'instant. Tout est bon. On va faire un 21 sur 20. Truc impossible. Alors, toujours la même chose. Là, c'est allumé. Là, c'est allumé. Donc inversion. On va commencer par celle du milieu. On inverse le flux. Il faut éteindre ici, éteindre ici. Donc clac. Clac, voilà. On allume. Ici, on a éteint la torche. Ici, on va inverser le flux. Là, donc il faut allumer ici. Il faut donc, pour allumer ici, éteindre ici. Hop. Allumer, éteint. Et là, on est éteint. Et là, il ne reste plus que à éteindre cette torche-là. Et logiquement, la lumière arriva. Donc pour l'instant, tout va bien, hein, toujours les amis, j'espère que vous avez passé une bonne journée, hein. On est là pour se détendre, c'est cool, c'est tranquille, voilà, c'est tranquille. Donc, on a besoin d'éteindre ça, donc on allume ça, donc on éteint ça. Pour éteindre ça, il faut éteindre ça. Donc il faut allumer ça, donc hop, voilà, déjà là, on est bon. Donc là, il faut éteindre ça, il faut allumer ça, il faut allumer ça, il faut éteindre les deux torches. Oula, là ça devient vraiment un peu plus complexe. Je suis parti, j'ai vu ça là-bas avec encore les coupleurs et tout. Ouah. Donc là il faudrait éteindre cette torche là. Pour éteindre cette torche là, on allume ça. On éteint cette torche là. Hop. Ok, maintenant on va s'occuper de celle-ci. Donc il faudrait allumer cette torche. Pour allumer, il faut éteindre celle-ci. Donc on va aller l'éteindre tout de suite. Celle-là, c'est pas trop compliqué. Et ici, il faudrait, pour éteindre ça, mettre de la redstone. Donc il faudrait couper celle-ci. Yep. Oups là, excusez-moi, c'est moi. Hey, je fais de la lumière. Et c'est bon les amis, on a fini le level. On passe au suivant, le level 23. Alors, on veut allumer. Et là, on doit tout éteindre. On doit tout éteindre, mais je vois que la redstone, elle est très très faible. Elle est tellement faible que ça allume pas. Donc c'est un retour... C'est bien, alors ça elle a pas besoin d'y toucher là-bas, c'est un petit piège je pense. J'ai un peu parce que c'est un petit piège, donc déjà, hop. Ok. Maintenant, hop, on suit là, on éteint, on allume. Pour allumer ça, faut éteindre celle-ci. Pour éteindre celle-ci, il faut débrancher celle-ci et celle-ci. Et voilà les amis. Là, nous sommes sur le level 24. Dans 6 levels, on a fini la partie. Hop là, on recommence direct. En fait, il suffit juste de suivre, hein, de comprendre les positions de redstone, de torches de redstone. Et voilà, là, après, c'est pas très compliqué, comme je vous ai dit. C'est pas très compliqué. Donc, la lumière est allumée. Là, il faut l'éteindre, là aussi. Donc, on va partir à droite. Donc, allumer
Ici, il faut l'allumer. Pour allumer ça, il faut éteindre ça. Faut allumer. Il faut l'éteindre. Éteindre. Hop. Ok, là on est bon. Ici, il faut éteindre la torche qui est ici. Et pour l'éteindre, il faut allumer la torche qui est là. Donc, éteindre les deux torches sur les côtés. Donc, celle-ci et celle-ci. Hop, on en est où là? On en est où? On a allumé, on a éteint notre torche. Il ne reste plus que celle-ci à éteindre. Donc là, il suffit juste d'éteindre celle-ci. Donc d'allumer ça. Pour allumer ça, il faut éteindre celle-ci. Et pour éteindre celle-ci, il faut allumer ça. Et ça, eh, on en devient fou hein, quand même. Hop, là, et ça. Et ça devrait être bon. Et oui, c'est bon les amis. Et il pleut toujours. Et il fait nuit, donc c'est un peu chiant là. C'est un peu chiant. Arrête de pleuvoir. Level 25, on repart toujours au même endroit. Ah, là, c'est un peu plus compliqué apparemment. Il y a un petit piège, donc il faudrait allumer là. Donc il faudrait éteindre ça. Pour éteindre ça, on va passer par là. Par là. Ouh là là. Alors le truc, il sert à rien. Il n'est même pas branché. C'est dit, on va le compliquer la tâche. Mais pourquoi faire? On allume là. Ok. On allume là. Non, pourquoi j'ai... Ah non, c'est lui. C'est lui qu'il faut allumer. J'ai un retour de tension quelque part qui est... Ah bah oui. Oui, mais non. C'est sérieux là? Éteint. Là, en entrée. Là, j'ai un retour de tension qui vient de là. Là, il faudrait allumer tout le système. Il faudrait... Ouah. Ok. Et voilà. Fou. Petite prise de tête, là. Ça commence. Au moins, c'est bien. Ça commence à... Ouh, 26... Ouh là, ouh, ouh. Là, on va moins se marrer, hein. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de boulot. Donc, on va commencer par le début. Donc c'est que des torches à allumer, donc il faut tout éteindre pratiquement. Donc ici, il faudrait éteindre là. Il faudrait éteindre juste ça, déjà, pour inverser. J'ai dit il fallait éteindre pour inverser. Ok, il faudrait éteindre là aussi. Donc éteindre là encore du feu. Tac, tac. Ok. Hein? Ah oui, pourquoi? Pourquoi? On va s'occuper d'ici. Pour allumer, il faut éteindre là. Il faut éteindre. Donc éteindre, ok. Là, il faudrait éteindre cette torche. Ok, on avance, les amis. On avance. Petit à petit, mais on avance. Donc là, Allumer, éteint, et allumer, oh là là, là c'est éteint, là on a allumé à cause de lui parce qu'il est allumé, là il faudrait éteindre ça, pour éteindre ça, voilà, on est là, si j'allume là, là, ok, on inverse le flux. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Ouais, c'est pas ce que je disais. Tu te foutais de ma gueule là. Donc là, non, mais là peut-être. Allumer, hop, on double. Pourquoi on doublerait? Je veux éteindre. Ouh là, c'est un peu plus complexe, les amis. C'est un peu plus complexe. Et là, ça devient intéressant. Donc, on est obligé d'allumer pour là. Donc là, il faudrait éteindre le flux complètement qui rentre. Donc là, il est éteint complet. Donc là, il faudrait l'allumer ici. Si je l'allume ici. Éteint, allumé. Ok, allumé, là c'est éteint. Là c'est allumé.
là, ça fait mal au crâne. Là, on fait mal au crâne. Ok, là on était bon. Là on était bon. Ok, et voilà les amis. Fou! Là, c'était vraiment du level, hein. C'est du costaud. Hop! Level 27. Alors on va encore repartir dans un prise de parce que je pense que ça va être de pire en pire. Mais il y en a moins. Il y en a moins. Oh, mais il y en a moins. Pourquoi il y en a moins? Donc, si je comprends bien, on est obligé de lancer de la tension ici pour éteindre là-bas. Pour éteindre ça. Ok. Vous avez fait un méli-mélo de redstone, le mec. On allume, là on éteint. Donc là c'est allumé. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça moi. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Ouais. Mais si. Mais non. Pourquoi? Hein? Il prend pour un con quoi. Si, mais je suis. En fait, oui, je sais pas. Non, là, je fais n'importe quoi. Fin de journée, ça doit être ça. Fin de journée, on va dire, ou fin de semaine, ou début de semaine, comme vous voulez. Donc il ne reste plus qu'à allumer celui-ci. Donc, pour allumer celui-ci, il faudrait éteindre toutes les entrées. Donc là, c'est éteint, là, c'est éteint, et il reste plus que celui-là à éteindre. Donc, il faut allumer ici, il faut allumer, il faut allumer. Donc là, ça va. C'est pas trop compliqué, je pense qu'on va y arriver. Et oui, les amis, ça y est. Il n'y en a pas une qui est cachée, et non. Light on. Il ne reste plus que deux niveaux, les amis, plus que deux niveaux. Oula, oula, ok. Donc là, on allume. Pour allumer, il faut éteindre là. Ok, on éteint. Tac. On allume. Là, ça éteint. Mais. Ici, on éteint aussi. Ok, là éteint. Après, on passe à celui-ci. Ici, on allume, allume, allume. Ok. Il faut éteindre celui-ci. Ça l'allume, ça l'éteint. Ici, il est allumé, il faut l'éteindre. Ici, il faut l'éteindre aussi. Hop. Ok. Là, on est bon. Maintenant, il faudrait éteindre celui-ci. Celui-ci qui est allumé par celui-ci. Donc, il faut allumer. Donc, là, il faut éteindre toute cette petite redstone. Et donc, ici, il faut déjà. Hop, voilà. On a éteint un flux. On va éteindre le deuxième flux. Et voilà. Et voilà, les amis. On va se retrouver au level 29. Alors, toujours cette petite lampe. Alors, hop, ok. Là, c'est allumé. Là, c'est allumé. Là, c'est allumé. Donc, si j'appuie là, ça va allumer. Ce qui est normal, je suis complètement con. Donc là, voilà, ici ça va l'éteindre, ok. Mais ici il doit partager avec quelqu'un d'autre, avec lui. Ok, là on a éteint. Là on a éteint. Ok, ici aussi c'est la torche qui est ici, donc il faudrait allumer ici. Ok, là on est bon. Maintenant, là on est bon, on est bon. Et là il reste plus qu'à éteindre ici. Donc ici j'inverse. Si j'inverse, ça l'éteint. Et là, c'est allumé. Et donc, il faut passer le courant ici. Et voilà, level 29 fini. Ils sont loin les boutons. Level 30. Alors, pour le level 30, que faisons-nous? On fait quoi pour le level 30? C'est la même chose. Donc là, hop, ici, c'est allumé. On doit l'éteindre. On doit l'éteindre. Pour l'éteindre, on allume ici. Ok. Après ici, c'est éteint. Ici, c'est allumé. Il faudrait le laisser comme il est. Ici, si je me fais ça, on veut pas le faire. Mais oui, il faut tout éteindre. Donc là, c'est allumé. Comme c'est allumé, là, on est allumé. Ici, il faudrait éteindre cette torche. Et pour éteindre cette torche. Qu'est-ce que je raconte? Pour éteindre cette torche, il faudrait. Oui, si, c'est ça. Il faudrait insuffler de la tension. Et voilà, les amis. Un petit piège.
Un petit piège. Donc là c'est éteint. Ok, là il est allumé. Donc là il faudrait éteindre cette torche. Donc allumer ici. Donc pour allumer ici, faut éteindre ici. Faut éteindre ici. Faut allumer ici. Oui, on a fini. On a fini les 30 niveaux. Et on va où maintenant? Et maintenant, bah, on a fini. Donc les amis, j'espère que cette petite map vous aura plu. Où est le... Voilà. Si vous voulez que je vous fasse la petite vidéo bonus, il n'y a pas de souci, dites-le moi. Et on se retrouve à la prochaine. Si vous avez aimé, bien sûr, likez. Je vous dis bye bye tout le monde. C'était Flemousse dans... Que je me dise pas de bêtises, Logical Element. Allez les amis, bye bye tout le monde. Bye.